Ah, cette musique, messieurs, dames, bienvenue dans ce nouveau Let's Play. Cette fois-ci, je vais jouer un peu à l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué de toute ma vie, qui s'appelle Super Smash Bros. Brawl, sorti sur Wii en 2008. J'ai passé à l'époque à peu près 300 heures sur ce jeu. J'étais vraiment accro à Super Smash Bros. Brawl. C'est un super jeu de combat, il y avait une énorme attente autour de ce jeu. C'était la suite de Smash Bros. Melee, qui était un jeu culte sur GameCube. Et donc, ce Smash Bros. Brawl, je l'avais bien pensé à l'époque, en 2008. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est tout simplement de revenir dessus. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Donc, écoutez, on va voir si j'ai toujours du skill sur ce jeu. J'avais pas mal de skill, quand même, à l'époque. Hein. C'est pas pour me vanter, mais j'étais plutôt bon, sincèrement. Donc j'ai relancé le jeu il n'y a pas longtemps, là j'ai tâté un tout petit peu pour me remettre un peu dans les commandes. Donc ça m'a permis de débloquer 2-3 personnages en cours de route. Donc écoutez, je vous propose de voir ce que je vaux en 2020 sur Super Smash Bros. Brawl. Allons-y, c'est pas une présentation du jeu, hein. C'est vraiment l'occasion de vous montrer quelques combats. Donc moi mes deux personnages principaux, les personnages que je prends le plus souvent en Brawl, ce sont Olimar et Shake. Donc je vous propose de faire un combat avec chacun des deux. Je vais commencer par prendre Olimar. Je connais pas beaucoup de personnes qui jouent Olimar personnellement, alors que moi je le trouve juste excellent. Je le trouve juste excellent. Donc on va jouer contre, bah écoutez, on va jouer contre personnage au hasard, voilà. Moi, je n'ai peur de personne dans ce jeu et je vais y aller au niveau maximum. Donc, vous voyez, l'ordinateur, on peut le placer du niveau 1 au niveau 9 pour le niveau de difficulté. Et je vais le mettre au niveau 9. Niveau 9, c'est très difficile, hein, l'ordinateur vraiment très coriace. Mais écoutez, moi, je fais confiance dans mon skill. Allez, en vie, bien entendu, on va jouer un match professionnel. Donc, vie, 3 vies et pas d'objet. Voilà. C'est parti. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que je vaux sur ce jeu. On y va, bien entendu, sur Destination Finale, qui est le stage à choisir si vous voulez jouer des matchs sérieux. Allez, on y va. Je me tais et je vous passe le son à fond. Attendez. Je vais même pas laisser faire pause. Je vous passe le son à fond. Yeah.
Voilà, donc comme je le pensais, je lui ai défoncé la gueule, bien entendu. Je suis assez satisfait et je vois que j'ai gardé un bon niveau quand même de l'époque. Donc 2 vies d'avance sur Fox, qui est un très bon personnage en plus, Fox, dans Smash Bros. Fox, niveau 9. J'ai rarement perdu de combat avec Olimar, sincèrement, c'était mon main principal. J'ai beaucoup beaucoup joué en ligne avec lui. Les joueurs, quand je jouais en ligne, étaient très surpris de me voir prendre Olimar parce que Olimar, il a pas beaucoup d'attaques. À part utiliser ses Pikmin, les gens sont surpris en général. Peu de personnes jouent Olimar et c'est vrai que je le maîtrise plutôt bien. Allez, je vais arrêter de prendre Olimar parce que ce serait un peu de la triche. Je vais vous montrer mon deuxième main, donc c'est Shake. J'adore jouer avec Shake. Je le trouve, enfin je la trouve d'ailleurs, puisque c'est Zelda, hein, camouflé, Shake. Et d'ailleurs, on peut prendre soit Shake, soit Zelda. Mais franchement, j'adore Shake. Très rapide. Donc, je vais voir. Est-ce que je suis toujours aussi bon avec Shake ou pas qu'à l'époque? Allez, on relance un combat. Pareil, 3 vies, pas d'objet et destination finale. Attendez, je vais vous mettre le son maintenant. Voilà, c'est parti. Trois, deux, un, partez! Encore une victoire avec l'un de mes mains. 2 vies d'avance, pareil sur Lucas,
est un perso que j'aime pas du tout, moi, personnellement. Je saurais pas jouer avec Lucas. Voilà, là, vous avez vu mes deux mains. Sincèrement, je suis vraiment très fort avec Olimar et avec Sheik. Voilà, vous m'avez vu jouer. Et encore, j'étais meilleur à l'époque. Hein. Bon, après, ce sont que des bots. Mais les bots sont agressifs quand même, niveau 9. Donc, je vais vous montrer un autre combat. Je vais prendre Diddy Kong, qui est un perso que je maîtrise plutôt bien aussi. Alors, on va faire le Diddy Kong contre le Donkey Kong. Voilà, impeccable. Allez, je vais vous montrer ça. Toujours niveau 9, hein, niveau maximum. Donc là, je maîtrise un peu moins Diddy Kong quand même que Olimar et Sheik. Donc on va voir si je vais perdre ou pas. C'est parti. Attendez, je vous montre le son. Un peu plus serré, mais ça va, je m'en tire avec une vie d'écart. Victoire encore une fois. Bon bah écoutez, on va continuer jusqu'à ce que je perde. Je vais prendre des persos que je maîtrise de moins en moins. Donc Olimar, ok.
Shaik c'est fait, Diddy Kong c'est fait. Ensuite, je maîtrise plutôt bien Marf. Enfin, plutôt bien. Un peu moins déjà que les trois précédents. Donc, je vais prendre Marf. Vous voyez que dans Smash Bros, ça se joue beaucoup aux esquives. Aux esquives, aux boucliers. Très important. C'est pas uniquement une question d'attaque dans ce jeu de combat, c'est beaucoup une question de défense. Sinon, vous allez voir que le pourcentage de dégâts va très très vite monter. Et je vais faire le duel contre Ike, bien entendu, qui est son rival, on va dire, enfin son, voilà, son l'autre personnage de la saga Fire Emblem dans ce jeu. Donc allons-y. Niveau 9 toujours. Allez, je vous bascule le son. Est-ce que je vais avoir ma première défaite ou pas? C'est parti. Trois, deux, Yeah.
J'ai eu très très chaud, ça s'est joué à un cheveu vraiment. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a failli me sortir, j'étais à un peu plus de 100%, il m'a fait un coup smash qui a failli me sortir du terrain. C'était pas passé loin. Là, on commence à atteindre, vous voyez, le point de rupture. J'ai joué mes 4 personnages préférés, les 4 que je maîtrise le plus. Je commence à faiblir un petit peu. Donc, est-ce que je vais avoir ma première défaite lors du prochain combat? C'est fortement probable. Je vous dis franchement, là. Alors, attendez, faut bien que je choisisse mon personnage. Qu'est-ce que je maîtrise le plus après tout ça? Alors, moi, je dirais plutôt Samus sans armure. Le problème, c'est que dans cette version-là, je ne l'ai pas encore débloqué. Donc, je ne peux pas encore la prendre. Donc, je dois prendre quelqu'un d'autre. Qui est-ce que je maîtrise? Écoutez, je vais prendre Wario. Je vais prendre Wario. Que je joue plutôt bien, mais sans plus. Et on va encore une fois choisir un personnage au hasard, niveau 9. Ça peut être ma première défaite. Je rappelle que je peux pas aller au-delà du niveau 9, hein. Je serais bien allé au-delà, mais le niveau 9 est le niveau maximum. C'est parti, destination finale. Je vous passe le son au max. Bon, alors lui, il a un très mauvais recovery, hein. Ça fait 2 fois que je me bloque au moment de revenir sur le terrain, que je me bloque en bas. C'est con, j'ai raté 2 sauvetages. Bon, bah écoutez, non, j'ai rien à dire. Je me suis fait dominer du début à la fin. Rien à dire. Voilà, donc vous voyez que le niveau de l'ordinateur quand même est relevé, hein. C'est coriace. Il s'acharne, voilà, faut avoir un vraiment bon niveau pour les battre. Donc écoutez.
c'est Wario qui me fait perdre, du coup. On va s'arrêter là. Bon, je suis plutôt satisfait de ce let's play. Voilà, ça fait plaisir de revenir sur Brawl, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. J'ai passé des centaines d'heures à l'époque à poncer le jeu. La plupart du temps que j'ai passé sur ce jeu, c'était en ligne en plus. Donc, j'ai affronté pas mal d'adversaires humains. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit retour sur Brawl vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon niveau de jeu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!